Good morgen, allez, Daniel Sussur, aujourd'hui, le Nishmat, Janine Ruth, pas de fortune, Mazal Fritna, Léa Chayabat Mazal Tov, Lucienne Batmarina, Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Gitin, Perik Gimel Mishnah, Hé, Amevi Get Beretz Israël, Vechala, Areze Meshalcho Beyad Acher, Vima Marlo, Tol Li Hemena, Chafetz Ploni, Lo Yeshalichenu Beyad Acher, Shen Retsono, Je traduis une Mishnah qui a plus de rapport avec les Mishnahs précédentes, mais qui a un rapport cette fois-ci avec les futurs Mishnayot, avec la prochaine précisément. Amevi get beretz Israël vechala. D'abord, je mets la scène, après j'explique pourquoi avec tellement de précision. Un homme qui apporte un get d'Eretz Israël et qui est tombé malade. Il habitait Metula avec le mari de la femme qui habite à Be'er Sheva. Et son mari lui a dit, attends, je vais envoyer un get à ma femme, parce que finalement, il aurait s'installé à Metula. Sa femme, elle a un cas. Metula, c'est le nord d'Israël, si vous ne savez pas. Et Be'er Sheva, c'est le sud. Et il lui a dit, bon, finalement, je vais rester ici. Je sais que ma femme, elle ne va pas vouloir me suivre. Prends ce get et amène-lui. Amène le get à ma femme. Et je la divorce, comme ça, c'est tout. Elle pourra se remarier. Et maintenant, le chaliach prend la route. En passant du nord jusqu'au sud, il passe par Yerushalayim, et là-bas, il tombe malade, il est faible, il n'a plus les forces de continuer. Eh bien, est-ce qu'il y a la question de savoir, est-ce qu'il peut le donner le get à quelqu'un d'autre pour que c'est une autre personne qui va le rapporter? Areze meshalcho beyad acher. Eh bien, il pourra le renvoyer avec un autre shaliach. D'accord? Il pourra le donner à un autre shaliach, il va parler à un autre shaliach, il va dire, écoute-moi, je suis shaliach pour le donner, je suis un autre shaliach pour continuer. Précision très importante, on a déjà précisé qu'il était malade. Parce que s'il n'était pas malade, il n'y a pas le droit de donner un autre chaliach. Le mari a insisté que ce soit moi. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas le droit de nommer quelqu'un d'autre. Si je suis tombé malade, alors on va supposer que le mari était d'accord que je le nomme. Que je nomme un autre chaliach, parce que le but essentiel, premier, est tout d'abord de divorcer sa femme. Si possible, par moi, par mon biais, et au pire, par quelqu'un d'autre. D'accord? Maintenant, veille ma marlo maintenant. Si le mari, quand il m'a envoyé, il m'a dit, écoute-moi. Va chez ma femme, donne-lui son guet et récupère de chez elle qu'elle me rende ma belle montre que je sais pas quoi. D'accord? Donc maintenant, j'ai une double mission, lui donner quelque chose et récupérer quelque chose. Alors là, figurez-vous que lo yeshalechenu beyad acher, je ne pourrais plus nommer quelqu'un d'autre pour qu'il parte à ma place. Shen retsono sheye pikdono beyad acher. Parce qu'on a quelque chose de clair, qu'il n'est pas d'accord de laisser des objets précieux dans les mains d'une tierce personne qu'il ne connaît pas. C'est une halakha dans les Chot Shomrim, on ne peut donner si moi, vous me donnez votre montre à garder, et que je dois partir urgemment quelque part, je ne peux pas nommer En Chaléa, En Shomer ou Se Shomer. Shomer, 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 Chayav. Je n'ai pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Donc si je n'ai pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre, vous m'avez demandé à moi d'aller récupérer un objet à vous là-bas. Moi, je dois le récupérer, je ne peux pas dire à quelqu'un d'aller le récupérer pour moi. Si on le fait, on est tous les deux des poches imbishmira. On transgresse la volonté du... Dans le doute, on ne sait pas est-ce que je suis chaliach ou pas. Et à cause de ça, regardez que ça va influencer la halakha du guet. Puisqu'elle m'a dit, tu donnes le guet et tu récupères l'objet. Donc il y a une insistance que ce soit dans la même main, bah, on récupère l'objet, ça ne peut être que moi. Ça va faire que maintenant, même pour apporter le guet, ça ne pourrait être que moi et je ne pourrais plus l'envoyer par l'intermédiaire de... On avait précisé au début de la Mishnah, Amevi get Beret Israël, celui qui apporte le get à l'intérieur d'Israël, pour exclure le cas de la prochaine Mishnah qu'on va découvrir bientôt, c'est celui de Amevi get Mimedinatayam, celui qui va apporter le get de l'étranger. D'accord? Pour le moment, il n'y a pas de nécessité tellement sur notre Mishnah. On expliquera mieux dans la prochaine Mishnah pourquoi a-t-il fallu insister. Quelle est la différence essentielle entre les deux. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, Salam.